Data science has never been so important as it is now, and it keeps on gaining importance all around the world, providing loads of opportunities and really helping change the way we do business, the way we take care of ourselves and of the planet. It is so important to have women in artificial intelligence in the area of data science and also in leadership roles. It's being able to use data to solve issues and understand bigger problems. It's critical. If that is going to become completely data-driven over time, then you can't miss that opportunity. You've got to join in and have your say. Because data science is becoming more and more important, really imperative that people that work on problems related to data science, that report out and make data-driven decisions, are a true representation of the world, regardless of gender, regardless of where you're from. AI, machine learning, data science, they all have this amazing, incredible potential for impact. But imagine the potential if we added more diversity. The future is diverse. Our world is becoming increasingly complex, more interconnected. To be fully engaged citizens in the 21st century, we need to embrace diversity in all aspects of life. We're thrilled to host this year's 24-hour virtual Around the World conference that we called WITS Worldwide, particularly in this really challenging year where we all crave community and connection. This year, we're celebrating International Women's Day by celebrating these amazing female role models in the field of data science, machine learning, and AI. We are going global on a whole new and much bigger scale. And the global perspective is really at the core of everything we're doing now. And I'm excited to share that the conference today features over 40 plenary speakers from over 25 countries. That's across all continents except for Antarctica. So we're still looking for a great speaker for next year there. Hosting a virtual event has provided an opportunity for our WITS ambassadors to enjoy even more community and more collaboration, which I know we all need during this pandemic. The WITS Datathon has also grown up around this concept of building a global community. In fact, this year's Datathon is our largest yet. We have participation from over 3,600 people from over 85 countries. And they're all working together, some across borders, on a healthcare data set, focus on intensive care units in hospitals. I'm particularly thrilled to announce a new initiative in WITS, the WITS Workshops, an educational program where people from all levels and all backgrounds can learn more about data science from outstanding women around the world. We're kickstarting WITS workshops at this conference with 14 brand new workshops that we'll be posting online after the conference as well. And this is just a start. From now on out, every month we'll add new workshops to this program. Join us for WITS workshops. As a professor, I'm always thinking about how to broaden participation in statistics and data science. What are gateways to the field outside of calculus? What are other ways to enter our profession? I love speaking to a room full of talented women. There's just something about it. We're so happy that you can join us here and at the WITS regional events. Enjoy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième table ronde de notre événement Women in Data Science Paris-Saclay autour de la thématique Data Science, parcours et carrières. Pour commencer, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Myriam Fayad. Je suis Product and Value Manager à la Digital Factory de Total.
Et je suis également ambassadrice WIDS 2021 et co-organisatrice de l'événement WIDS Paris-Saclay, donc pour cette édition aussi de 2021. Et donc justement, notre événement WIDS Paris-Saclay touche aujourd'hui à sa fin, puisque cette table ronde en fait clôture une série de vidéos qu'on avait commencé à publier à partir du 25 mai et dans lesquelles en fait vous avez pu découvrir les parcours inspirants et riches de plein de femmes qui travaillent dans la data science. On a également pu partager hier autour de la table ronde Data for Good, avec plusieurs intervenantes sur l'éthique dans l'IA et la data science. Et l'impact en fait qu'on peut apporter au monde avec la data science. Et donc, je vous invite à redécouvrir ces vidéos sur la chaîne YouTube de Télécom Paris et également sur notre site WIDS Paris-Saclay. On espère que tout le contenu qu'on a pu vous proposer jusqu'à aujourd'hui a pu être utile pour toutes et tous et aussi inspirant pour beaucoup de femmes et jeunes femmes pour rejoindre, qui souhaitent rejoindre en fait le domaine de la data science, un domaine qui est très riche et vaste. Et donc cet événement, j'ai eu le plaisir cette année de le co-organiser avec deux autres ambassadrices qui sont Mariana Kobayashi et Lisa Marguerite et que j'invite à me rejoindre sur scène. Bonjour Mariana, bonjour Lisa. Donc Mariana Kobayashi qui est coordinatrice de projets digitaux à la branche raffinage et chimie de Total, et Lisa Marguerite, qui est data scientist dans la branche marketing et services de Total également. Donc, merci à toutes les deux d'être là avec nous aujourd'hui, et je vous laisse peut-être nous dire un petit mot avant de démarrer la table ronde. Merci Myriam, merci à tous et à toutes d'être là. Nous sommes très contentes de vous accueillir aujourd'hui ainsi qu'hier. J'espère que vous avez aussi bien profité de la table ronde et de la présentation keynote. Donc si vous n'avez pas pu regarder en live, nous avons aussi posté le lien sur LinkedIn pour que vous puissiez aller aussi sur YouTube regarder. Donc ça sera un plaisir aussi de clôturer cet événement. Donc la table ronde sera aussi très riche aujourd'hui. Donc profitez bien de l'événement et merci beaucoup. Merci Mariana. Bonsoir à tous. J'ai eu le plaisir d'organiser également avec Myriam et Mariana. J'espère que cette deuxième table ronde vous plaira. N'oubliez pas que vous avez l'onglet chat si vous voulez nous envoyer des messages. Il y a aussi l'onglet questions si vous avez des questions à poser et aussi l'onglet sondage pour lequel vous pouvez répondre à des petits sondages qu'on pourra vous poster durant l'événement. Effectivement, merci beaucoup Lisa pour le rappel et merci à toutes les deux pour votre mot. Pour commencer, en fait, j'aimerais juste rappeler un peu les objectifs de cette initiative WIDS. Donc, comme vous le savez, l'initiative Women in Data Science est une initiative qui a été lancée par l'université américaine de Stanford et qui, pour résumer, a trois objectifs principaux. Le premier, c'est d'encourager les femmes à rejoindre le domaine de la data science, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées dans le domaine. Et le deuxième objectif, c'est d'inspirer les femmes en mettant en avant justement des femmes en fait, qui travaillent déjà dans le domaine de la data science pour faire émerger ce qu'on appelle des role models, toujours dans le but d'encourager les femmes jeunes ou moins jeunes à rejoindre le domaine. Et enfin, le troisième objectif qui a pu aussi un peu être présenté dans la vidéo d'introduction, qui est le fait de former les femmes ou les hommes d'ailleurs au métier de la data science via plusieurs initiatives, donc des workshops qui sont organisés à cet effet et aussi des initiatives de type dataton ou autres. Et donc aujourd'hui, en fait, notre table ronde qui est autour de la thématique data science parcours et carrières va vraiment se concentrer sur les deux premiers volets. Donc, notre objectif, c'est d'encourager et d'inspirer les femmes pour rejoindre le domaine de la data science en mettant en avant donc, des profils très riches et inspirants que vous pourrez découvrir avec nous tout à l'heure. Avant de lancer vraiment la table ronde en tant que telle, j'aimerais juste rappeler que donc, cet événement a été organisé grâce à trois partenaires.
Donc, en fait, il a été organisé par nous trois, ambassadrices WITS, mais aussi avec l'aide de trois partenaires qui sont donc Télécom Paris, l'école d'ingénieurs Télécom Paris, l'Institut de recherche INRIA à Saclay et l'entreprise Total Energy pour laquelle nous travaillons, donc Mariana, Lisa et moi. Et donc, dans les précédentes vidéos, vous avez pu découvrir les mots des partenaires, donc Télécom Paris et INRIA. Et aujourd'hui, je vous laisse découvrir une vidéo dans laquelle donc, vous aurez le mot du partenaire Total. Et dans cette vidéo, j'ai eu plaisir d'interviewer deux femmes data scientists au sein du groupe qui vont vous parler un peu plus concrètement de ce que faire de la data science chez Total veut dire. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième et dernière table ronde de notre événement autour de la thématique Data Science, parcours et carrières. Nous avons parlé plus tôt lors de cet événement du rôle des entreprises dans la mise en place d'une culture collaborative autour de la data science et de l'IA pour créer un vrai impact sur le business, mais aussi sur le monde. Et le monde de l'énergie, justement, est en pleine transformation et Total, notre partenaire dans l'organisation de cet événement, est un acteur majeur de cette mutation. Pour accélérer cette transformation, le digital, la data science et l'IA occupent une place primordiale au sein du groupe. C'est d'ailleurs pour booster cette trajectoire que Total a créé sa Digital Factory afin de développer des solutions innovantes à destination des différents métiers et branches du groupe. Total a également créé un centre d'innovation et de recherche implanté à Saclay pour tirer profit de l'écosystème stimulant qu'offre ce plateau. Pour atteindre cette ambition, Total a également mis les moyens nécessaires pour insuffler une vraie culture autour de la data, non seulement grâce à la multitude de projets passionnants et à fort impact lancés au sein du groupe, mais également grâce à des initiatives ouvertes à l'externe, telles que des hackathons, des datathons, challenges de data science et autres. Et c'est d'ailleurs grâce à cet engagement et au partenariat que nous, ambassadrices WITS, avons pu lier avec Total que cet événement est aujourd'hui possible. Mais plutôt que de vous faire une liste à la Prévert de tous les projets et initiatives lancés par Total en ce sens, j'ai avec moi aujourd'hui Svetlana et Najat, deux femmes data scientists au sein du groupe, qui vont nous illustrer plus concrètement ce que faire de la data science chez Total veut dire. Najat et Svetlana, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre expérience en tant que data scientist. Donc pour commencer, Najat, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur pourquoi tu as choisi le domaine de la data science dans un premier temps et en quoi exercer le métier de data scientist chez Total, mais pas que, te plaît ? La particularité que j'ai trouvée à la data science et qui m'a tout de suite plu, c'est que contrairement à l'image commune qu'on se fait des métiers du numérique, la partie code-programmation, c'est plutôt un moyen d'arriver à l'objectif et la fin se trouve plutôt dans la réflexion, dans l'interprétation des résultats. Le petit plus, c'est que les sujets abordés sont pour la plupart directement reliés à la vie courante, ce qui rend notre métier d'autant plus intéressant et important. Et c'est aussi ce qui rend encore plus critique l'importance d'une bonne représentativité des genres, entre autres, dans le domaine. Chez Total, ça veut dire que tous les jours, notre travail permet d'avancer dans la transformation énergétique mondiale et pas que française. D'ailleurs, ce métier permet en fait de participer à tout type de problématiques, qu'elles soient locales, nationales ou même mondiales. Et c'est vraiment, je pense, une brique essentielle à la construction de notre avenir commun. Pour finir, je dirais que le milieu de la data science, c'est vraiment un milieu plein de personnes bienveillantes et modestes, tout simplement parce que le domaine évolue tellement vite qu'on ne peut vraiment pas pouvoir dire avoir tout maîtrisé au cours de son parcours. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans ce domaine. Et j'espère pouvoir vous recroiser un jour de nouveau, mais en tant que collègue sur un projet data science cette fois. Merci Najat. Et pour toi Svetlana, quelle est ton expérience, ton ressenti sur le sujet ? Le métier du data scientist se trouve entre les frontières de l'expertise métier, l'IT et de l'analytique. Cette profession a la particularité d'être omniprésente dans plusieurs domaines. Quel que soit le secteur d'activité, elle apporte de la valeur à business relatif et à la vie des gens. Ce qui la rend plus passionnante, c'est le fait d'être ouvert à découvrir et à apprendre de nouvelles choses au quotidien. Chez la Total Digital Factory, on change le monde d'énergie de demain. Chaque jour, c'est une opportunité de participer et contribuer à la transformation digitale d'un grand groupe comme Total.
Je travaille sur des problématiques très variées avec des gens qui ont des profils différents dans un environnement international. Notre objectif est de chercher les nouvelles sources de valeur et le nouveau business model pour le groupe. Cela se fait avec l'usage de la technologie pointue et en faisant appel à notre intelligence collective. Avec les ambitions de Total Net Zero, il y aura plein de projets avec un fort impact environnemental. Et j'ai hâte de voir comment Total va traduire ses objectifs et y contribuer. Encore merci à toutes les deux d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. Et pour nous, on se retrouve tout de suite pour notre table ronde Data Science, Parcours et Carrières. À tout de suite. Donc, merci encore à Najat et Svetlana pour ce témoignage. Peut-être qu'elles sont là aujourd'hui. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Et d'ailleurs, pour tous, donc je rappelle, comme le disait Elisa tout à l'heure, normalement, à droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. Le premier, le chat, donc c'est pour un peu interagir avec nous tout au long de la table ronde. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos inspirations. Et d'ailleurs, pour tester, n'hésitez pas dès maintenant à nous envoyer soit un petit bonjour dans la langue de votre choix ou un petit smiley pour nous donner un peu votre humeur de la soirée. Ensuite, vous avez un deuxième onglet avec les questions. Donc là, c'est vraiment pour poser vous-même vos questions. Et ensuite, on pourra y répondre à la fin de la table ronde en priorisant les questions qui auront eu le plus de succès, on va dire. Et le dernier onglet sondage, donc, dans lequel vous pourrez répondre aux différents sondages qui vous seront proposés tout au long de la table ronde. Et donc maintenant, on va vraiment pouvoir démarrer la table ronde en tant que telle. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi quatre intervenantes au parcours vraiment très riche et inspirant et que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette session. Donc, je vais commencer par accueillir Emeline Guillet et que j'invite à monter sur scène. Donc, Emeline est data scientist chez Janssen, qui est une entreprise pharmaceutique. Elle a la responsabilité de proposer des analyses et de mettre en œuvre des algorithmes qui permettent de comprendre les préférences à la fois individuelles et des professionnels de santé afin d'adapter et de personnaliser les communications et l'offre de services de son entreprise. Donc, bienvenue Emeline et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci et bonjour à tout le monde. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir également Jessica Manganotti, qui est doctorante en deuxième année dans une équipe commune INRIA École Polytechnique. Et sa thèse, en fait, en mathématiques appliquées, a pour but de développer des modèles afin de mieux comprendre les problématiques médicales. Et l'utilisation des données, justement, permet d'adapter ces modèles à chaque patient et de prendre en compte, en fait, les spécificités de chaque patient. Donc, bienvenue, Jessica, et merci à toi également d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. J'accueille également Yosr Miri. Donc, Yosr a démarré en fait en tant que consultante data marketing chez Artefact après un diplôme d'ingénieur à l'école Supélec. Elle a beaucoup travaillé sur des sujets de segmentation et de parcours client, donc toujours avec l'aide de la data. Elle s'est ensuite spécialisée dans l'intelligence artificielle, mais cette fois en tant que produit. En effet, aujourd'hui, elle est cofondatrice et head of product chez Wiser, une start-up qui met l'intelligence artificielle au service des métiers non techniques pour les aider à homogénéiser et normaliser leurs données d'une manière automatique et sans effort. Bienvenue à toi. Hello tout le monde, merci. Et enfin, j'accueille aussi Magali Baudeux, donc Magali qui gère une équipe analytics et développement software chez IBA. Donc IBA qui est en fait un leader en protonthérapie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une technique utilisée dans le traitement du cancer. Et Magali a pour objectif d'accompagner IBA dans sa digitalisation avec un accent particulier sur l'usage des données, que ce soit pour accélérer la prise de décision, répondre aux questions business, améliorer les processus internes ou encore proposer de nouveaux services aux clients. Bienvenue à toi Magali. Merci Myriam, bonjour. Et donc, on va pouvoir démarrer notre table ronde avec la première thématique que je vous laisse découvrir tout de suite. Thank you.
Donc, notre première thématique est donc la thématique data science parcours. En effet, comme je le disais au début, donc l'objectif en fait de notre initiative, c'est vraiment d'encourager les femmes dès le plus jeune âge à rejoindre le domaine de la data science. Et donc aujourd'hui, on a sûrement avec nous des jeunes étudiantes, voire même des lycéennes, qui peut-être souhaiteraient s'orienter dans ce domaine-là, mais qui n'ont pas forcément une définition assez claire de ce qu'est la data science. Et donc la première question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est de nous définir en quelques mots ce qu'est la data science pour vous et pourquoi vous avez choisi cette voie et pourquoi vous êtes là avec nous aujourd'hui. Et donc, pour commencer, je vais donner la parole à Emeline. Si tu peux nous définir la data science. Alors, en fait, pour moi, la data science, ça regroupe quand même beaucoup de choses et beaucoup de métiers qui sont globalement tous amenés à explorer et à analyser les données de l'entreprise afin d'en faire ressortir des insights. Je dirais qu'il faut avoir de bonnes connaissances quand même en mathématiques, statistiques, bien comprendre les modèles, les algorithmes. Mais il faut savoir aussi être très proche du business, des équipes, parce que le plus important, c'est vraiment de comprendre leurs besoins et de savoir y répondre. Donc voilà pour moi ce que ça représente la data science globalement. Et je suis présente aujourd'hui pour témoigner, parce que quand justement j'étais étudiante, je me posais vraiment beaucoup de questions sur mon parcours et les possibilités qui existaient. Et voilà, j'aurais bien voulu aussi avoir ce type de webinar pour m'aider à m'orienter. Merci Emeline. Et pour compléter, je vais donner la parole à Jessica. Oui. Merci. Pour moi, la data science, en fait, c'est tout ce qui sont les matières scientifiques, genre les mathématiques, la statistique, et en fait, selon l'application, pour rendre les données compréhensibles. Parce qu'en fait, c'est que on s'imagine en fait comme données, mais par exemple, dans mon cas, quand je reçois des données, en fait, c'est un tableau des chiffres qui, en fait, à les voir comme ça, elles ne veulent pas dire grand-chose. Ces données et toutes ces informations que ces données peuvent nous donner et qui peuvent vraiment nous aider à prendre des choix dans plusieurs domaines. En fait, ils ont besoin d'être traduits, ils ont besoin d'être compris. Et en fait, le travail de la data science, c'est vraiment de rendre ces données compréhensibles et de les faire parler. Et en fait, je suis très contente que maintenant, il y a pas mal d'événements comme celui-ci. Je suis contente de parler parce que moi, quand j'étais étudiante, en fait, je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était la data science. Quand j'étais au lycée, c'était peut-être aussi moins développé que maintenant. Et j'aurais bien aimé, en fait, avoir des retours et des expériences d'autres personnes pour comprendre et faire mes choix. Effectivement, oui. J'avais un peu le même ressenti que toi, Jessica. Et je pense que moi, par exemple, pour parler rapidement de mon cas, j'avais vraiment une appétence forte pour les mathématiques et sans forcément savoir ce que je pouvais en faire. Et je pense que ce type de webinar, justement, permet de montrer qu'il y a des applications très concrètes aux mathématiques qui sont souvent perçues comme une matière un peu théorique par les étudiantes. Donc, c'est très intéressant. Merci. Et pour compléter, Yosser, est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus ? Oui, bah moi, ma définition de data science, ça rejoint un peu la définition d'Emeline, dans le sens, pour moi, c'est comment apporter en fait de la science un peu considérée comme abstraite aujourd'hui au service du métier, au service du business, au service de la société. On fait du data for good aujourd'hui. Et en fait, faire le pont entre réellement le business et la partie tech qui, avant, personne ne savait ce qu'on faisait dedans, ni les applications, ni rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les data scientists, ils ont ces deux approches-là. C'est des gens qui comprennent le besoin, qui comprennent le business et qui peuvent aller aussi dans la technique. Enfin, moi, c'est ma compréhension. Merci, Yousser, c'est très clair. Et pour terminer, Magali. Oui, bah, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit sur ce que c'est la data science. Je rejoins complètement les autres participantes. Je voudrais juste peut-être ajouter que pour moi, c'est aussi un mix entre différentes compétences. Il y a la partie développement un peu type développement software, et la partie statistique, de comprendre les modèles, comprendre les algorithmes et pouvoir vraiment
comprendre le besoin du business et expliquer la solution après avoir, qu'on obtient après avoir fait fonctionner tous ces modèles. Et alors, la raison pour laquelle je suis là, moi, je dirais que c'est parce que je pense que c'est un domaine vraiment passionnant. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est tout nouveau, donc il y a moyen d'innover. Il y a vraiment moyen d'apporter des choses dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Et c'était pour partager cette passion pour la data science que je suis là. Bah, merci à tous. Donc, enfin, pour résumer, je retiens que c'est vraiment un domaine multi-compétences, avec à la fois des compétences scientifiques, mais aussi des compétences plus, on va dire, humaines, enfin, d'échange avec le métier et de relationnel, voilà. Et que c'est un domaine vraiment passionnant et qui permet de, enfin, qui s'applique en fait à plein de domaines de la vie courante. Donc, ça, c'est vraiment une richesse dans ce métier. Et donc, justement, donc, comme je le disais, on voit que c'est un domaine assez vaste et assez riche. Et donc, finalement, déjà, de par le parcours, donc la présentation rapide de votre parcours qu'on a pu faire au début, on voit que les parcours sont assez différents sur un domaine donc assez riche et vaste. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment un parcours idéal pour devenir data scientist, donc pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes d'ailleurs, qui se posent la question de comment devenir data scientist, est-ce qu'il y a vraiment un parcours idéal ou est-ce qu'il y en a plusieurs pour vous? Et pour commencer, je vais donner la parole à Yosser pour cette question. Oui, alors pour moi, je ne vais pas dire qu'il y a un parcours idéal, je ne pense pas. Tous les data scientists avec qui j'ai travaillé, ils sont venus de deux parcours principaux. Le premier, c'est des écoles de maths, de statistiques. Donc, ils ont fait une spécialité qui est très axée mathématiques, statistiques, etc. Donc, ça, c'est le premier parcours que moi, j'ai constaté. Le deuxième, c'est plus un parcours, on va dire, de développement. C'est plus un parcours d'ingénieur un peu généraliste avec une forte appétence pour tout ce qui est programmation. Et j'ai connu des gens qui ont très bien réussi dans les deux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais pas qu'il y a un parcours plus idéal qu'un autre. Et il y a aussi des parcours de reconversion. Moi, j'ai assisté à plusieurs personnes qui ont fait des carrières un peu plus business ou plus développement, qui ont fait des reconversions en cours de route. C'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup moins cadré. Ça veut dire qu'on pouvait, par exemple, faire des formations en ligne sur de la data science et après devenir avoir, si vous voulez, un peu le poste data scientist. Maintenant, c'est beaucoup plus cadré. On a beaucoup de masters spécialisés. On a plus de voies en école et en faculté et en université axées sur de la data science. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus cadré. OK. Donc, il n'y a pas vraiment un parcours idéal, en tout cas, de ton point de vue Pour moi, non. Ouais. Et du coup, Magali, peut-être pour compléter un peu, ou confirmer ou pas. Non, complètement d'accord. Je crois pas qu'il y a un seul parcours. Et d'ailleurs, si je peux partager un peu le mien. Moi, je suis sortie d'une école d'ingénieur en Belgique, en maths appliquées à l'époque. Et il y avait pas, on parlait pas de data science, ça n'existait pas. C'était même pas un mot dans le dictionnaire, quoi. Et moi, j'ai eu des postes assez standards, assez business, un peu comme Yosser décrivait. Et puis, je suis à un moment tombée dans un poste aux États-Unis où il y avait besoin d'utiliser des techniques plus avancées pour traiter les données, simplement parce qu'il y avait trop de données, quoi. Les Excel qu'on utilisait avant, c'était plus suffisant. Les Excel crachaient, donc on a dû un peu forcer et contraint à utiliser des nouvelles techniques. Et c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans la data science. Donc, c'était un peu une reconversion en travaillant, quoi, sans formation spécifique de data science. Donc, je voulais peut-être partager pour les gens qui écoutent et qui ne sont plus étudiants que potentiellement, ça peut se faire, quoi. Il y a plein de cours en ligne, il y a moyen de trouver des projets dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent un peu là-dedans. Et donc, il n'y a pas vraiment de parcours typique. Je pense qu'il n'y a vraiment pas qu'un seul parcours, en tout cas. Ok, merci Magali. Emeline, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Si, bah, je rejoins également Yosser et Magali. Aujourd'hui, il n'y a pas de parcours idéal pour devenir data scientist. Il y a différentes voies. Moi, si je parlais de mon parcours, il était assez clair en fait depuis le début. Dès le lycée, j'étais vraiment très attirée par les mathématiques et les statistiques. Je recherchais donc une orientation, une formation. J'ai découvert le DUT STID, Statistique et Traitement Informatique de Données. Il n'en existait pas beaucoup à l'époque, une dizaine.
Je me suis donc inscrite pour cette formation. Je découvre alors l'informatique, les codes, les algorithmes. Je me rends compte que ça me plaît beaucoup et que je pourrais y passer des heures. Et du coup, je décide vraiment de continuer sur cette voie. Et j'intègre donc l'ENSAI, l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qui m'a vraiment passionnée. Et donc, au final, c'était vraiment une formation assez claire qui m'orientait vers le métier de data scientist. Merci, Emeline. Et pour toi, Jessica, est-ce que tu as le même ressenti? Toi qui es plus arrivée dans ce domaine, plus par la voie de la recherche, et donc avec on va dire peut-être déjà des compétences assez précises dès le début sur le sujet. Oui, en fait, moi aussi, je pense un peu qu'il n'y a pas vraiment un parcours spécifique. Je pense que bien sûr, une préparation scientifique aide, parce que la chose importante à la data science, c'est vraiment d'être capable, on va dire, de penser un algorithme. Et on peut avoir ces sentiments de problem solving qu'on a beaucoup, par exemple, dans les parcours ingénieurs. Mais il y a aussi un côté un peu plus pur, qui c'est des maths et des statistiques. Du coup, en fait, les deux parcours, je pense, pourront marcher. Et en fait, il faut juste être capable de s'adapter aussi, en fait, à l'application que ton travail a. Par exemple, data science, ça peut être vraiment différent, même aussi selon les différentes entreprises ou les différents domaines. Du coup, je ne pense pas qu'il y a un vrai parcours privilégié, on va dire. Merci. Effectivement, moi, je vous rejoins aussi. Et je pense que le fait que ce soit justement un domaine qui s'applique à plein de métiers différents, ça fait qu'en fait, les voies pour arriver vers ce domaine ou ce métier de data scientist sont finalement assez larges. On peut être d'abord être spécialisé sur un métier ou un domaine en particulier et ensuite arriver sur des sujets de data science. Et il y a finalement même plusieurs façons d'être data scientist et ça, on le verra un peu plus tard dans la table ronde. Donc, merci à vous pour les réponses à cette question. Et du coup, pour aller un peu plus dans le concret, et donner en fait des exemples vraiment tangibles aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui de sujets appliqués à la data science. Jessica va nous partager un peu donc avec quelques slides le sujet en fait sur lequel elle travaille en ce moment. Et donc je vais partager tout de suite les slides. Donc, je te laisse la parole. Oui, en fait, ça, c'est... Merci. En fait, ça, c'est une partie de mon travail de thèse. C'est en fait la raison pour laquelle j'ai choisi de faire une thèse. J'étais pas sûre au début. Mais en fait, l'application que mon travail pourrait avoir, ça m'a vraiment poussée à commencer ce parcours. Et en fait, ça, c'est une slide qui explique un peu les contextes cliniques de mon travail, c'est-à-dire en fait les bouts de ma recherche, c'est d'être capable en fait de reproduire des mesures de pression en sortie du cœur. Et en fait, on peut se demander pourquoi on aurait besoin de ça. C'est parce qu'en fait, comme vous pouvez voir à gauche, on a l'aorte, c'est en fait les vaisseaux les plus importants de notre corps. Et pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'aorte, en fait, il faut rentrer avec un cathéter qui suit un peu le parcours que vous pouvez voir avec la ligne au milieu. Et pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, en fait, il faut vraiment parcourir tout le long de l'aorte. Et comme vous pouvez imaginer, ça, c'est une pratique très invasive. Du coup, il faut vraiment rentrer avec un long tube tout le long de votre vaisseau. Et ce qu'on aimerait être capable de faire, c'est de savoir ces informations-là, mais en utilisant des données qui sont un peu plus externes, comme vous pouvez voir à droite, en fait, au niveau, par exemple, du poignet, avec des mesures qui sont moins invasives. Et du coup, si tu peux passer la deuxième slide, s'il te plaît. Voilà. Du coup, en fait, ce que moi j'ai fait, c'est que pour l'instant, pour essayer de calibrer mon,
mon modèle, ma stratégie. En fait, j'ai développé un modèle mathématique, qui c'est lui que vous voyez à gauche. Du coup, j'ai en fait un cylindre qui représente l'aorte. Et j'utilise des mesures qu'on appelle in vivo, c'est-à-dire c'est bien ceux qui ont été collectés avec les cathéters qui rentrent dans l'aorte. Je les utilise comme données pour mon modèle. Et en fait, mon modèle, il me dit qu'est-ce qui se passe au tout début de l'aorte, c'est-à-dire au niveau du cœur. Et du coup, en fait, c'est ça qui permettrait un jour d'utiliser des données plus distales et qu'on peut obtenir de façon moins invasive. Et avec un modèle, on peut en fait obtenir les informations qu'on ne serait pas capable d'obtenir sinon en utilisant un cathéter qui rentre dans l'aorte. Et du coup, c'est un peu ça en fait qu'on appelle, on va dire, la data science qui s'applique aux problèmes cliniques. En fait, du coup, on utilise vraiment des données qui sont prises pendant des chirurgies, etc. Et on donne en sortie des informations médicales. Ok, merci beaucoup, Jessica. Effectivement, on voit du coup que la data science peut être utilisée pour des sujets pour le good. Donc, un peu ce qu'on a vu hier, en fait, dans la table ronde d'hier. Donc, n'hésitez pas à re-regarder les échanges d'hier, on en a beaucoup parlé. Et voilà, on voit qu'on peut vraiment apporter un impact positif avec la data, tant que les sujets sont cadrés et que les données personnelles sont protégées, bien sûr. Ensuite, je vais te donner la parole à Emeline. Donc Emeline, toi qui as travaillé plus sur des problématiques de segmentation client dans plusieurs contextes et pour plusieurs entreprises, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste ? Oui, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les segmentations clients. Donc, c'est vrai que dans toute mon expérience, j'ai eu l'occasion de travailler sur des segmentations pour plusieurs secteurs. C'est assez simple à comprendre. Donc, l'objectif, c'est de créer des groupes homogènes d'individus qui ont des points communs. Ça peut être le comportement d'achat, l'âge, etc. Et donc, en fait, on va avoir plusieurs étapes pour créer cette segmentation. La première, et c'est certainement la plus importante, ça va être de fixer les objectifs et le périmètre en comprenant bien les enjeux et les questions du business. Ensuite, il va y avoir le choix de l'analyse, l'analyse à plat des données. Et ensuite, on va avoir le développement du modèle statistique. Par la suite, il y a des phases de test. Hein. On va tester différents modèles, on va regarder lequel est le plus efficace, lequel répond le mieux à nos objectifs. On va regarder l'efficacité du modèle grâce à une base de test et on va à la fin valider le modèle. Donc, pour le marketing, ces segmentations, ça permet vraiment d'améliorer le ciblage, de personnaliser les communications. Et pour les équipes opérationnelles, ça va permettre de prioriser des actions sur des clients, voire des segments qui sont pour eux les plus intéressants. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui utilisé dans beaucoup de secteurs. Ça permet d'améliorer la performance opérationnelle d'une entreprise. Et voilà, j'aime beaucoup travailler sur ce type de projet. On est deux alors. J'aime beaucoup aussi les segmentations clients. Merci Emeline. Effectivement, pour être encore plus, on va dire, concrète, derrière toutes les pubs ou les promotions qu'on peut recevoir, derrière ça, en fait, il y a une segmentation. On a été classé en fait dans une. Voilà, oui. Nos données ont été. Voilà, c'est quelque chose qui nous touche, je pense, à toutes et tous aujourd'hui. Et donc, si je peux rajouter un petit truc qui est assez sympa. C'est que souvent, on est là pour donner des recommandations sur les noms des segments. Et du coup, bah, on peut trouver des noms assez sympas, les superwomen, pourquoi pas, les inactifs, les endormis. C'est un jeu un peu amusant aussi à la fin. Merci, Emeline. Et pour finir pour cette question, je vais donner la parole à Yosser. Donc, Yosser, toi, c'est vrai que le sujet sur lequel tu travailles est assez spécifique puisque finalement, tu travailles sur un sujet de data science qui pour la data science aussi. Exactement. Tu l'as bien dit. Exactement. Et plus avec une vision au produit. Donc, je vais te laisser en parler et partager ta présentation.
Merci. Alors, là, on va parler d'un sujet qui est en général ce qu'on appelle préparation de données, que ce soit des data scientists qui le font ou bien juste un expert métier qui n'a aucun skill technique. Donc, ce qui se passe en général, par exemple, les gens qui vont aller scraper de la donnée sur des sites ou qui reçoivent juste des fichiers Excel, tout simple. Des fois, on a beaucoup de textuels. Donc, par exemple, ici, j'ai mis des descriptions de produits. Donc là, imaginons que je travaille chez Franprix, peu importe, chez Monoprix ou n'importe quel supermarché. Toutes les marques vont m'envoyer des fichiers Excel, ce sont mes fournisseurs. Chaque fournisseur, il va m'envoyer des fichiers Excel avec des descriptifs de produits. Et ces données-là, je peux même les récupérer sur Internet, sur des sites de supermarché. Le problème, c'est qu'ils vont m'envoyer en fait ces données-là, les fichiers Excel que j'ai, c'est une seule colonne ou plusieurs, mais à l'intérieur, j'ai pas mal de textes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur un Excel, je vais créer à la main, colonne par colonne, pour sortir les informations qui sont écrites d'une manière un peu… Enfin, il n'y a pas de structure à l'intérieur, de manière déstructurée, on va dire ça comme ça, et les mettre dans les bonnes colonnes. Donc, par exemple, si je prends le premier exemple, c'est jus d'orange, bouteille, 1 litre, Andros. Ben, en fait, moi, en tant qu'analyste, pour pouvoir derrière analyser la donnée et faire des graphes ou bien faire des rapports, je dois créer des colonnes dans lesquelles je vais dire « Ah, ce produit-là, c'est un jus » ou bien « c'est un soda ». Je dois créer une colonne qui me dit « Quelle est la marque du produit ?» Je dois créer une colonne qui me dit « Quel est le goût du produit ?» etc. Et aujourd'hui, en fait, tout ce process-là est fait à la main. C'est hyper pénible. Et en fait, même en termes de motivation, c'est vraiment la partie qui démotive tout le monde. Parce que c'est lent, c'est chiant en fait de le faire sur Excel. Et donc, tu peux passer, Myriam, à la slide d'après. Donc, nous, aujourd'hui, dans ma startup, il s'appelle Wiser, on essaie d'aider ces gens-là en automatisant ce process-là et leur mettre à disposition une sorte d'outil qui permet de faciliter en fait et d'automatiser ce process et de ne plus se prendre la tête sur Excel. Et donc, tout d'abord, en fait, je vais vous parler des challenges data science qui sont à l'intérieur. C'est tout d'abord comment je récupère et je détecte les mots qui veulent dire la même chose, mais qui sont écrits de manière différente. Un, parce que les gens font des erreurs de frappe. Deux, parce que c'est des gens différents. Donc, il y a quelqu'un qui va appeler Coca, Coca, l'autre, elle va appeler Coca, Coca-Cola avec le vrai nom. Donc là, notre challenge, c'est de créer donc des alcools qui permettent de détecter ce type de différence-là entre les mots et les corriger d'une manière automatique. Tu peux passer, Myriam. Et une fois, en fait, on a corrigé tous les mots dans la colonne Excel, l'idée, c'est qu'on puisse, en fait, créer ces colonnes que vous voyez d'une manière un peu custom. Donc, chacun crée les colonnes qu'il veut et que ça se remplisse automatiquement. Donc, le challenge pour nous, c'est qu'une personne, elle a l'outil, elle a la colonne, elle va créer ce qu'on appelle label. Donc, elle va créer le nom de la colonne en disant « Ok, je vais créer la colonne flavor ». Donc, pour goût. Et à l'intérieur, elle va dire à l'outil, je vais te donner quelques exemples, mais pas plus. Donc, elle va donner 5, 7, c'est en fonction de la personne. Et du coup, le challenge pour nous derrière, tu peux passer, Myriam, c'est de créer une technologie qui, quand la personne me donne cet exemple, je vais lui détecter tous les autres mots qui existent dans sa donnée et qui répondent à cet exemple-là. Et puis, je vais la faire valider. Donc, par exemple, si elle m'a dit que orange et menthe, c'était des goûts, il faut que notre algo puisse détecter que cherry aussi, c'est un goût, multifruits, c'est un goût, fraise, c'est un goût et original pour le pecan, c'est un goût. Et puis, la personne dit oui ou non. Et c'est quand même un process qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus rapide que de le faire sur Excel, ligne par ligne. Voilà. Merci Yosser. Effectivement, pour avoir galéré des fois sur ce genre de sujet, je pense que ce type d'outil est vraiment très, très utile. Donc, merci pour ta présentation. Merci. Et donc, maintenant qu'on a une définition un peu plus précise de la data science avec des exemples concrets de son application, on va pouvoir passer à la deuxième thématique que je vous laisse découvrir tout de suite. Donc, notre deuxième thématique, comme vous avez pu le voir, c'est ce qu'on a appelé la data science en action.
Donc effectivement, aujourd'hui, on voit que la data science s'applique dans des contextes assez différents. Et donc du coup, en fonction du contexte, les challenges sur un projet de data science peuvent être aussi très différents. Et donc la première différenciation que je voyais, c'est vraiment l'application de la data science dans un domaine plus de type recherche, donc comme le cas de Jessica par exemple, versus application de la data science dans un domaine plus dans un objectif business, donc en entreprise. Et donc j'aurais aimé en fait avoir deux témoignages avec potentiellement un peu une description de votre journée type dans ces deux contextes. Donc pour le contexte recherche, je vais donner la parole à Jessica. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci beaucoup. En fait, dans la recherche, une chose qui est à la fois bien et à la fois pas bien, c'est qu'il n'y a pas trop de questions d'argent et pas non plus trop de questions de temps. C'est-à-dire, en fait, tu peux vraiment prendre le temps d'arriver au bout de ce que tout est mis en tête à un certain moment, même si, je ne sais pas, une certaine méthode peut prendre quelques jours de plus ou voire quelques mois de plus à la fois. En fait, dans la recherche, ça, c'est accepté. Et ça, c'est à la fois bien parce que, bien sûr, tu peux vraiment suivre ce que tu penses, ça va être vraiment la méthode meilleure sans te donner des contraintes. Mais bien sûr, à la fois, c'est un peu, on va dire, embêtant parce que si tu as des collaborations avec des autres, bah, les autres aussi, ils prennent leur temps pour faire les choses. Du coup, c'est, à la fois, c'est un peu, il y a un peu les deux côtés. Après, ma journée type, c'est très influencé par l'application de mon travail, c'est-à-dire l'application médicale, parce que bon, j'ai les côtés recherche pure, c'est-à-dire parfois je me retrouve à faire des recherches bibliographiques pour voir ce qu'ils ont fait les autres chercheurs ou alors des technologies qui sont sur les marchés qui peuvent m'être utiles dans mon projet. Mais j'ai beaucoup de contacts aussi avec les médecins. Par exemple, il y a des fois où, avant le Covid, j'étais invitée dans les blocs opératoires pour voir les opérations pendant lesquelles ils collectaient les données. Et il y a vraiment beaucoup de communications avec les médecins parce que, comme mon projet, il doit servir aux médecins, bah, en fait, je dois bien comprendre ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils peuvent me donner en termes de données. Parce qu'à la fois, on ne parle pas forcément la même langue et ce n'est pas facile à chaque fois. Du coup, on a beaucoup de réunions où moi, j'essaie de leur faire comprendre quelles sont les choses que moi, je peux leur apporter et quelles sont en fait les parties plus difficiles. Et eux, en fait, ils font la même chose parce que, par exemple, pour moi, à dire que j'ai fait un code, je sais quelles peuvent être en fait les difficultés. Et pour eux, en fait, me dire « Ah oui, tu fais un code, c'est… » Ah, demain après-midi, on en reparle, alors que c'est pas du tout comme ça. Ou alors, moi, je peux pas m'imaginer, en fait, à quel point ça peut être dur d'accéder à certaines données médicales, quel coût, quel prix il peut avoir pendant une chirurgie d'accéder à certaines données, quel temps il leur faut pour après me donner ces fichiers Excel avec tous les données dont j'ai besoin. Du coup, oui, j'ai beaucoup de ça aussi, de communication avec les médecins. Mais oui, ça, c'est peut-être très spécifique pour mon application, mais voilà, il y a un peu de tout ça dans la recherche. Oui, donc un côté un peu pluridisciplinaire et aussi une liberté qu'on n'a pas forcément en entreprise, mais qui peut être aussi un peu déroutante. Donc ouais. Voilà, c'est côté positif et négatif. Et du coup, pour toi, Emeline, en entreprise. Exactement. Pour toi, Emeline, en entreprise, est-ce que tu as le même vécu, la même journée type? Non, pas tout à fait. Donc déjà, moi, à la base, je suis un peu plus challengée au niveau timing. On doit rapidement rendre des comptes. Les équipes veulent rapidement des résultats, des chiffres. Donc là, déjà, c'est un peu différent. Globalement, pour partager une de mes journées type, donc je passe beaucoup de temps, bien évidemment, avec les équipes business, donc beaucoup de temps en réunion pour comprendre leurs besoins. Donc, c'est vraiment important pour moi de bien comprendre ce dont ils ont besoin pour vraiment faire mon modèle derrière. Ensuite, je dois expliquer aussi, bah, de manière simple, moi, mon modèle, ce que j'ai développé.
et je dois pouvoir leur donner des recommandations en fonction justement de ce qu'ils recherchent. Et ça, je dirais, ça représente environ 45% de mon temps. Et ensuite, bah, du coup, j'ai quand même un temps et il faut vraiment que je le prenne ce temps parce qu'il est important. C'est mon temps pour la programmation, pour paramétrer les outils. Et j'ai aussi un petit temps aussi d'échange avec les équipes IT et CRM. Donc, je dirais que je suis vraiment pas toute seule dans mon métier et je dois vraiment être aussi en collaboration ouverte pour comprendre aussi toutes les questions, les problématiques s'il y en a côté IT, etc. Ok, donc ce qu'on peut retenir finalement, c'est que même si les contextes sont différents avec des challenges et des objectifs différents, finalement le côté pluridisciplinaire et l'importance de comprendre déjà les données sur lesquelles vous travaillez et aussi les problématiques qu'il y a derrière, donc de travailler que ce soit avec les médecins ou avec les métiers plus en entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de commun au métier de data scientist, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Et finalement, ce que je me suis dit aussi, c'est que même dans un contexte entreprise, finalement, la façon de travailler sur des projets de data science peut être assez différente en fonction de si on travaille plutôt dans un grand groupe ou dans une entreprise type start-up. Donc, pour parler, par exemple, de mon expérience dans le groupe Total, donc il y a un très grand groupe implanté dans plein de pays différents. Donc, quand on travaille sur une problématique avec des données qui sont dans des filiales sur des pays et des continents différents, la problématique, par exemple, d'accès à la donnée peut être vraiment un volet assez important sur un projet et qui prend beaucoup de temps. Et ça peut être finalement le challenge principal du projet, alors que peut-être qu'en start-up, les challenges sont différents. Et donc, j'aurais aimé avoir l'avis de Yosser, justement, sur ce côté plus travailler en mode start-up. Oui, alors tu as tout à fait raison. Il y a des challenges qui sont complètement différents. Par exemple, tu parlais du challenge d'accès de la donnée. En startup, on n'a pas encore en fait ce challenge-là, dans le sens où toute la donnée, tout le monde y a accès, mais parce qu'on est focalisé sur beaucoup d'autres aspects. Donc moi, je retiens de la différence avec expérience entreprise deux choses. La première, c'est qu'en fait, en startup en général, surtout sur des startups qu'on appelle early stage, donc qui viennent vraiment de commencer, en général, c'est des mini-équipes. On n'est pas nombreux. Et donc, il y a quand même une notion où il faut être très autonome. Même au départ, même pour un junior, il faut que la personne arrive à être autodidacte et apprendre toute seule. Il y a un accompagnement, mais c'est pas exactement le même accompagnement qu'on peut avoir dans une grande entreprise sur des sujets en particulier. La deuxième contrainte qu'on a, c'est un peu comme on course contre la montre, hein, donc c'est un nouveau business qui commence, on doit développer hyper rapidement, donc en fait, on doit être rapide. Donc, data scientist, par exemple, moi, je suis pas data scientist, mais je travaille avec data scientist. En fait, tous les jours, on fait du test and learn tous les jours. Tous les jours, on tourne de nouvelles approches. Le soir, on regarde les résultats. On voit par rapport même au cas que je vous ai montré, hein, par exemple, s'il me détecte fraise ou pomme, quel est le meilleur algo qui va me détecter les différents mots. Et tous les jours, allez, j'essaie de faire du paramétrage, je revois les résultats. Le lendemain, c'est pareil. C'est assez stimulant, je trouve, mais c'est quand même là les deux contraintes principales et que je vois en termes de différence avec une grosse entreprise. D'accord, donc finalement, peut-être moins de problématiques pour accéder à la donnée, mais plus de challenges et d'attentes au quotidien, peut-être du résultat plus rapide. Oui, exactement. Merci Yosser et Magali, du coup, est-ce que tu, de par ton expérience, tu as des choses à rajouter là-dessus? Oui, tout à fait. Donc moi, je travaille dans une entreprise qui est à 1500 personnes, environ, qui est très centrée R&D. Et nous, on essaie de résoudre en fait ce challenge d'accès à la donnée. Donc c'est vraiment assez fondamental pour l'entreprise. C'est 50% de notre temps, je dirais, c'est centraliser les données, amener les données aux utilisateurs business pour qu'ils puissent entre autres répondre eux-mêmes à leurs questions. Et donc de mon côté, une journée type, comme j'ai une équipe, j'ai la chance d'avoir une super équipe, c'est vraiment beaucoup de réunions, des réunions avec l'équipe en fait pour voir les statuts des projets, dont ce projet de centralisation de données, des projets qu'on a qui sont entre autres des projets de maintenance prédictive et de nouvelles features à des softwares, puisque l'équipe fait en partie du développement software, en partie du data science.
Oui, les réunions avec le business pour définir les nouvelles gouvernances, parce que dans le cadre d'une grande entreprise, on essaie un peu d'aligner les manières de faire de la data science, pas que chacun y aille, d'aligner la manière de productiser les algorithmes, etc. Et donc, on a tout un volet gouvernance. Du coup, il me reste un petit peu de temps parfois pour travailler sur des projets moi-même. Je dirais que la majorité, c'est vraiment l'alignement de l'entreprise, résoudre des grosses problématiques pour l'entreprise. Et donc, ça prend un peu plus de temps, mais sans doute moins super rapide comme chez SR, mais on essaye d'apporter du changement à long terme. Ok, merci Magali. Donc, encore une fois, on voit que la façon de faire la data science est assez différente, à la fois en fonction des domaines d'application, mais aussi des contextes dans lesquels elle est appliquée. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de data science, on pense tout de suite au métier de data scientist, aux personnes qui vont construire les modèles, faire apprendre les modèles pour sortir un résultat. Mais on pense moins à tous les métiers qui gravitent autour de la data science, qui font partie un peu aussi de ce monde de la data science. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est important de clarifier un peu tout ça aux personnes qui souhaitent donc travailler dans le domaine pour donner un peu une vision assez synthétique mais claire de ces métiers. Et donc pour rester avec toi Magali, peut-être que tu peux nous parler un peu de la première étape, on va dire, de la chaîne, qui est vraiment la partie data engineering, que tu connais de par ton expérience sur les projets sur lesquels tu travailles. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Donc la première étape d'un projet de data science, comme tu le disais, Myriam, c'est vraiment d'accéder à la donnée, de transformer la donnée, de la rendre plus utilisable, un peu comme Yosser nous a montré comment vraiment comprendre la donnée. Et puis de la donner au data scientist pour qu'il puisse appliquer ses algorithmes. Et le data engineer, c'est ça son travail. Donc c'est vraiment de fournir la donnée utilisable au data scientist. Et on dit qu'il faut 3 data engineers pour 1 data scientist. Donc c'est pour dire la complexité et le temps qui peut être passé à préparer la donnée avant même d'appliquer l'algorithme. Donc c'est un travail vraiment important et qui est un peu comme l'autre partie de la pièce, quoi. Le data scientist, son homonyme, c'est le data engineer. Ils doivent aller tous les deux. Ou alors le data scientist doit faire le travail, mais c'est pas toujours le travail le plus chaud à faire. Et dans mon équipe, le data engineer, donc en plus de faire ce travail de nettoyage de données, s'occupe aussi de mettre en place toute l'infrastructure données. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Donc les tests, de productiser les algorithmes, etc., etc. C'est assez technique comme rôle. Merci Magali. Ensuite, je vais passer à Emeline. Donc, Emeline, comme on a pu, tu as pu nous le présenter un peu tout à l'heure, la partie vraiment, pour le coup, rôle du data scientist, donc construction des modèles, c'est quelque chose que tu maîtrises bien. Mais de par nos échanges, j'ai cru comprendre que tu as aussi travaillé sur des sujets plus de data visualisation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai qu'en tant que data scientist, donc je m'occupe en effet de toute la partie de développement du modèle. Mais ensuite, je dois quand même m'assurer que tous les indicateurs que je crée, qui ressortent en fait du modèle, sont bien compris par les équipes business. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais souvent appel à des UX designers qui vont nous aider à concevoir les outils de manière à optimiser l'expérience client et aussi vraiment à optimiser la visualisation des données. Il faut savoir que c'est très important aujourd'hui parce que ça offre un gain de temps conséquent, à la fois dans la recherche, dans l'analyse de la donnée. Et surtout, c'est un outil de communication très puissant dans l'entreprise pour justement faire accepter de la transformation digitale, par exemple, ou la mise en place de nouveaux modèles. Donc oui, voilà, les UX designers, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie, qui va développer tout ce qui est la partie data visualisation. Oui, effectivement, pour avoir travaillé aussi un peu sur ces sujets-là, une bonne data visualisation fait vraiment la différence sur un projet. On peut vraiment faire passer finalement les messages qu'on veut grâce à la data visualisation. Donc, c'est vraiment un métier à part entière. Et donc, on voit que finalement, dans une application plus entreprise, les métiers finalement autour de la data science sont assez bien
catégorisés et précis. Donc, on a des data engineers, des data architectes, des data analysts, scientists. Et est-ce que dans le monde de la recherche, Jessica, vous avez aussi ces différents rôles ou est-ce que finalement, tu te retrouves à faire un peu de tout? Je dirais qu'on se retrouve à faire tout. Mais voilà, il faut aussi penser que, comme je dis avant, les temps demandés, il n'est pas les mêmes. Du coup, c'est aussi qu'on a la possibilité de tout faire. Et même que les temps, en fait, même la quantité de données qu'on a, c'est très différent, bien sûr, parce qu'on ne doit pas sortir avec un produit, on ne doit pas sortir avec un service. En fait, dans la recherche, vraiment, tu dois, d'une certaine manière, valider un processus ou une méthode. Et du coup, en fait, peut-être il te suffit, et on va dire, je ne sais pas, grand max 50 patients pendant 3 ans, du coup, tu as vraiment le temps de t'occuper des différentes phases et aussi de te former à t'occuper des différentes phases. Mais oui, du coup, dans mon cas, par exemple, la seule chose que moi, je ne fais pas, c'est la collecte des données parce que, bien sûr, il faut être médecin. Mais par exemple, des collègues qui utilisent des données qui sont plutôt collectées in vitro, c'est-à-dire en fait avec des étapes expérimentales. Du coup, par exemple, avec des organes d'animal ou alors avec des étapes artificielles qui sont similaires à des conditions physiologiques, par exemple d'écoulement du sang. Et alors là, par exemple, quelqu'un en thèse peut aussi devoir collecter les données. Du coup, en fait, tu te coupes un peu de toutes les parties qu'il faut vraiment pour mener ton projet. Oui, donc finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le côté liberté qu'on a un peu plus dans les applications type recherche qui font que finalement, tu touches un peu à tout et tu es amené à travailler vraiment sur les différentes étapes d'un projet de data science. Donc, c'est à la fois une contrainte, mais ça, je pense, permet d'acquérir des compétences vraiment intéressantes. Et finalement, aujourd'hui, on voit que sur ces différentes étapes d'un projet de data science, que ce soit sur l'acquisition, la collecte de la donnée, le nettoyage un peu de cette donnée, la visualisation de la donnée, on a des produits qui sont développés justement pour démocratiser un peu tout ça, que ce soit utilisable plus facilement par des personnes qui n'ont pas forcément des compétences hyper poussées sur ces différents volets. Et donc, il y a des rôles du coup de responsables produits qui se développent autour de tout ça. Et du coup, Yosser, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ce type de rôle nécessite d'avoir aussi des compétences en data science pour comprendre un peu ce qu'on fait? Voilà, si tu peux nous en dire plus. Oui, pas de souci. Alors, oui, effectivement, moi, j'ai un rôle qu'on appelle ça Data Product Manager. En fait, je crée des produits digitaux, mais la seule spécificité, c'est que la proposition de valeur en soi, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc, est-ce que je dois comprendre dans le détail ce que font les data scientists? Non. Mais je dois comprendre un petit peu quand même. C'est-à-dire que quand on parle des algos, qu'ils m'expliquent un peu les différents paramètres, je ne pourrais pas aller dans le détail de chaque paramètre, mais il faut quand même que je comprenne que fait l'algo global, quelles sont les différentes manières d'agir ou de modifier l'algorithme, mais est-ce que j'ai besoin d'une connaissance très accrue? Non. Et la compétence que j'apporte, c'est juste cette vision et la réflexion sur l'expérience client, comment l'intelligence artificielle, elle va s'associer à une expérience client qui permet d'apporter de la valeur à l'utilisateur. Et je dirais en plus la complexité par rapport à ce qu'on peut faire en tant que en data science par rapport à un cas ou une problématique particulière, c'est qu'aujourd'hui, comme on crée un produit, il doit marcher à tous les coups. Ça veut dire que si notre utilisateur, il rentre des jus, comme il rentre des rouges à lèvres, comme il rentre de la donnée, je sais pas, de service client, il faut que ça marche à tous les coups. Et cet enjeu d'agnosticité, il est très fort chez nous et c'est quelque chose sur laquelle on travaille. D'accord, très clair. Merci, Yosser. Et juste pour terminer cette thématique, très rapidement, je voudrais juste évoquer, mais c'est un sujet qu'on a évoqué plus en détail hier lors de la table ronde Data for Good, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les applications qui nécessitent de manipuler de la donnée personnelle, donc c'est vraiment des projets qu'il faut traiter de manière très spécifique, et finalement, le rôle de ce qu'on appelle DPO, donc qui est là pour protéger justement les données,
C'est des rôles aussi qui émergent dans le monde de la data science. Et donc, je voulais savoir, est-ce que Jessica, toi qui manipules peut-être plus de la donnée personnelle, est-ce qu'il y a vraiment des rôles identifiés là-dessus? Enfin, comment vous gérez cette partie-là? Pour rassurer un peu l'audience. En fait, sur la collecte des données, c'est, dans mon cas, c'est plutôt les médecins qui s'occupent en fait, d'avoir l'autorisation ou alors de demander aux patients ou aux médecins s'ils veulent bien collecter ces données. Après, ce que je peux dire, c'est en fait les données médicales en général, ils sont, je dirais, encore plus sensibles parce qu'il y a un peu un tabou, même à parler avec nos proches de ce qui est notre situation médicale, alors qu'on donne notre adresse, notre téléphone, notre information personnelle, quand je suis née, où je suis née, mon nom, mon prénom. Et par contre, par exemple, je pense que personne ne sait quelle est notre pression artérielle, parce qu'on ne la raconte pas. Et tout ce qui est médical est toujours un peu, ça doit être un secret, ça doit être... on ne veut pas forcément que les gens ils savent qu'est-ce que c'est notre situation. Alors que, bien sûr, c'est très important que ces données soient protégées parce que, bien sûr, c'est un privé. Mais, par exemple, moi, quand je reçois des données, je n'ai jamais des informations sur l'identité de la personne. Moi, je reçois patient numéro 1, 2, 3, 4 avec. Je ne sais rien de plus. À la fois, je sais si c'est un garçon ou une fille, parce que ça a quand même un sens physiologique, mais sinon, je n'ai pas, par exemple, son nom, son prénom, son âge. Je sais à la fois si c'est dans une tranche d'âge plutôt que l'autre, parce que ça aussi, ça a quand même un... Mais je ne pourrais jamais savoir à qui ça correspond, cette donnée. Du coup, à la fois, j'aimerais bien que les gens ils savent vraiment, quand ils disent « Non, je ne voudrais pas que mes informations soient diffusées », en fait, de quelle manière elles sont diffusées et c'est quoi, en fait, l'utilisation. Parce que c'est très important d'en avoir beaucoup. Et parfois, ça nous empêche vraiment de valider certains, on va dire, découvertes scientifiques. Ouais. Parce que aussi, les données médicales, elles sont souvent très bruitées. Du coup, par exemple, peut-être un patient, il donne bien ses données, mais avec une seule personne, je ne peux rien dire parce qu'à la fois, c'est très patient spécifique et à la fois, je peux obtenir des données qui sont en fait illisibles, inutilisables parce que la méthode avec laquelle elles sont collectées, c'est quand même dépendant de la précision de la machine qui collecte ces données. Ce n'est pas comme des informations qu'on tape sur Internet. C'est vraiment des choses qui sont mesurées par un senseur qui a aussi une sensibilité. Et du coup, c'est vraiment compliqué. On aurait vraiment besoin d'avoir un gros database et à la fois, c'est difficile. Oui. Bah, merci, Jessica. Mais effectivement, voilà, c'était aussi pour rassurer un peu l'audience sur le fait que sur un projet de data science, c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte, que ce soit dans le monde de la recherche, comme on voit, mais aussi en entreprise. Et il y a vraiment d'ailleurs des outils et des produits qui sont développés pour anonymiser la donnée. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment qui se développe et qui est pris en compte dans les projets de data science. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette deuxième thématique et passer à la dernière thématique de notre table ronde que je vous laisse découvrir tout de suite. Donc voilà, sur la thématique femmes dans la data science, donc là qui est plus, on va dire, une thématique un peu plus personnelle sur vraiment votre statut de femme dans le domaine de la data science. Et donc la première question qui m'est venue là-dessus et que je voudrais poser à Magali du coup, qui a plus un profil de management sur des projets de data science. Et donc comme on l'a vu en introduction, c'est vrai qu'aujourd'hui sur ces métiers de data science, c'est plus des métiers qui sont perçus en tout cas aujourd'hui comme masculins et c'est ce qu'on veut changer par l'initiative WIDS. Et donc finalement le fait de manager des équipes qui sont souvent des équipes masculines, est-ce que c'est quelque chose qui à un moment dans ta carrière a pu poser problème ou a été un challenge ou une difficulté ou est-ce que ça n'a pas forcément été un challenge pour toi?
Bah pour moi, non. En fait, ça n'a pas vraiment été un challenge de manager des équipes plutôt masculines. Et je dois dire que mon équipe, ça doit être 60-40, 60% hommes, 40% femmes. Donc, il y a quand même pas mal de femmes dans la data science, je pense, et notamment dans les rôles de data scientist, comme un peu Emeline ou Jessica ici. Et je dirais qu'il y a une opportunité pour les femmes. En tout cas, en tant que manager, il y a peut-être une facilité qu'on a d'écouter les problématiques business et d'aider à amener le changement. Parce que la data science, notamment dans les entreprises qui sont des entreprises installées, ça amène beaucoup de changements dans la manière de travailler. Et je pense qu'en tant que femme, on peut être, je sais pas, c'est peut-être un peu cliché aussi, mais on a peut-être cette capacité d'écouter et de ne pas forcer le changement, mais de l'amener un peu plus tranquillement. Et donc, ça, c'est un aspect. Après, tu demandais, est-ce que j'ai eu des difficultés? Donc, pour le management de l'équipe, non. Par contre, là où moi, je vois que ça devient plus difficile, peut-être en tant que femme, c'est qu'on a tendance à penser que parce qu'on va bien travailler et amener des résultats, les gens vont voir nos résultats et puis ils vont se dire, oh, elle est géniale, elle va avoir une promotion. Mais en fait, ça marche pas toujours comme ça. Et on amène les résultats, le travail est bien fait, peut-être notre manager va le voir, mais personne d'autre va le voir. Et si on n'a pas une bonne image au sein de l'organisation, mais de toute l'organisation et de la visibilité, en fait, on va peut-être rester un peu calé. Et donc, on doit un peu, en tout cas moi, je dois un peu me forcer à aller faire la pub, et la pub de mon équipe, et la pub de notre travail, à tout le temps expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est merveilleux ce qu'on a fait, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. Mais il faut un peu, les gens ne le savent pas par eux-mêmes, quoi. Il faut amener l'information. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile pour les gens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. N'hésitez pas à compléter si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, mais je voulais juste dire qu'en effet, je pense qu'il faut vraiment donner de la visibilité à la data science dans l'entreprise pour montrer voilà, qu'il y a un vrai travail derrière et que ça a une vraie valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'il faut sans cesse qu'on montre la valeur ajoutée. Donc, je rejoins Magali. Donc, plus un changement culturel un peu à apporter, en fait. Et pour rester un peu sur les stéréotypes autour des femmes de la data science, parce que je pense que pour casser ces stéréotypes, la première étape, finalement, c'est d'en parler. Donc, la question que je me posais, c'est est-ce que au cours de votre carrière ou en dehors du monde professionnel, vous avez pu faire face à ce type de stéréotypes? Par exemple, le fait de dire « Ah, mais t'es une fille, donc tu vas plutôt faire médecine qu'une école d'ingénieur » ou voilà, ce genre de réflexion. Et pour commencer, il y a une vidéo que je vais projeter, donc qui a été proposée par Jessica et que je laisserai ensuite Jessica commenter. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, cette vidéo qui était, si j'ai bien compris, le teaser d'une initiative européenne autour des femmes dans la recherche et l'innovation. Peut-être que Jessica, tu veux nous dire quelques mots là-dessus. Ouais, en fait, même si je pense que la vidéo, elle parle un peu pour elle ouais. toute seule. Moi, en fait, quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'étais choquée, vraiment. Je pensais que c'était une blague.
c'était genre une vidéo ironique ou quelque chose comme ça, mais en fait non, c'était les teasers d'une innovation, d'une initiative européenne. Heureusement, après, il y a eu un gros débat sur ça et ils l'ont enlevé. Mmh. Parce qu'ils ont compris que ce qu'ils avaient fait, c'était pas du tout dans le but de leur initiative. Mais en fait, je pense que ça permet de voir exactement qu'est-ce que c'est les clichés qu'encore il y a sur la femme dans les sciences en général. C'est pas que pour la data science, mais en général dans les sciences. Et je pense que peu à peu, on a un peu abandonné les clichés, genre les femmes, elles sont pas fortes en maths. Je pense que ça, c'est abandonné. Et je pense que les clichés maintenant, c'est plus trop sur les capacités, mais c'est sur les intérêts. Et je ne sais même pas si ça, c'est mieux ou pire. Parce qu'on a l'impression dans cette vidéo, déjà qu'ils disent « it's a girl thing ». Comme à dire, en fait, qu'une chose peut être une girl or boy thing. Alors que je pense que dans les travails ou dans les intérêts, il n'y a pas ça. Il ne peut pas y avoir ça. Ça ne peut pas être la chose d'une ou de l'autre sexe. Il n'y a pas de genre dans les travails, il n'y a pas de genre dans les intérêts. Et en fait, les messages qui passent avec cette vidéo, on a vraiment l'impression que c'est... en fait, ne t'inquiète pas, tu ne dois pas choisir entre être une femme dans la science ou être féminine. En fait, ce qu'on voit, c'est des femmes qui sont habillées genre en top model ou super maquillées ou même... Dans l'image où il y a la fille, elle voit beaucoup parce que c'est ça que je fais souvent dans mes journées. Elle est en mode, en pose, que moi je m'imagine devant mon tableau, je suis genre sur la chaise avec les mains dans les cheveux et que je regarde. Et je dis en fait, on a vraiment l'impression qu'ils nous disent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être amour même en faisant des sciences. Comme si ça... C'est notre préoccupation, comme si en fait il faut choisir entre être, je ne sais pas, bien habillé ou faire des sciences. Parce que aussi il y a cette cliché où si tu fais des sciences, on t'imagine avec des lunettes. Ben ça, c'est peut-être vrai parce que tu passes beaucoup de temps à l'ordinateur, mais avec des lunettes, avec je ne sais pas, des habits des garçons ou alors des, je ne sais pas, qui n'étaient pas. T'es pas jolie, t'es pas glamour, t'es pas à la mode, alors que ça, c'est vraiment un cliché qu'il faut abandonner. Ouais. Et je trouve qu'il est toujours assez fort. Oui, c'est vrai. En fait, ce que tu veux dire, c'est que par exemple, le fait d'utiliser typiquement, de dire, d'encourager les femmes en fait, à rejoindre le domaine de la data science, parce que justement, ça s'applique à des domaines comme la beauté ou la mode, finalement, ça contribue aussi à renforcer ces stéréotypes. Ouais. Et c'est vrai que pour partager une expérience là-dessus, je... Exactement. Comme c'est en fait, on a... Oui. Non, vas-y, Jessica. Non, c'était juste en fait comme si on a besoin de savoir ça pour être, on va dire, attiré par les sciences. Oui. Peut-être on aime les maths et ça nous va comme ça. Et c'est vrai que pour partager une anecdote rapide là-dessus, moi, on m'a déjà posé la question en entretien... j'avais postulé pour un domaine, on va dire, pas perçu comme féminin. Et du coup, c'était une question qu'on m'a posée. Est-ce que tu es sûre que tu veux travailler dans ce domaine qui est plutôt un domaine masculin? Et c'est vrai qu'au contraire, moi, ce qui m'a attirée dans ces domaines-là, c'est de travailler sur des problématiques un peu plus complexes. Et donc, c'est pas vraiment le fait que ce soit dans la mode ou dans la beauté qui va m'attirer, mais plus vraiment la typologie de sujets, en fait, sur lesquels je vais travailler. Effectivement, oui. Ça contribue à renforcer ces stéréotypes. Je ne sais pas si Yosser, tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ouais, moi, je rejoins un petit peu le cliché de Jessica, ce que j'ai entendu avant. Alors, ce n'est pas forcément que de la data science, mais les filles dans la tech en général. Mm-hmm. C'est, en fait, elle est geek et jolie. Mm-hmm. Et on dirait qu'on ne peut pas avoir les deux. Enfin, on dirait que la plupart des filles qui sont geek, elles ne sont pas jolies, alors que ça n'a rien à voir. Et puis, il y a un autre côté aussi qui est plus penser que les femmes sont plus dans l'intuition, moins dans la rationalité. Mm-hmm. Et donc, on pense que ces métiers-là qui sont plus de science, etc., sont un peu plus faciles pour les hommes que les femmes parce qu'on est plus dans l'intuitivité, etc., alors que... C'est un cliché, quoi. Oui, effectivement. C'est un peu les deux clichés que j'ai vus jusque-là.
Ça va, le cliché sur l'intuition, ça reste. Ça peut être aussi bien d'avoir une bonne intuition. Ouais, après, par exemple, pour la data science, en fait, moi, je considère que la data, elle ne parle pas d'elle-même. Enfin, quand tu prends de la donnée, tu l'analyses de données, elle ne te sortira rien toute seule. Donc, il faut, en fait, se donner une hypothèse et aller vérifier si elle marche ou pas. Et pour se donner une hypothèse, il y a quand même de l'intuition dedans. Enfin, il faut avoir un petit peu un sens pour aller chercher ce qu'on veut aller chercher. Donc oui, ça peut être en fait un atout. Après, je ne dis ce que moi je n'aimerais pas dire, c'est ça, c'est plus de l'ordre du caractère et de la personnalité, et que pour moi, ça n'a rien à voir avec l'être, avec le genre en fait. Oui, effectivement. Ouais. Merci à tous pour vos réponses. C'était vraiment, je pense, un sujet intéressant sur lequel on pourrait s'étendre des heures. Mais comme il nous reste que 9 minutes, donc on va passer aux deux dernières questions qui, finalement, je pense, peuvent être fusionnées ensemble. Donc la première, c'est en fait au cours de votre carrière, donc ça, c'est plus une question personnelle. Qu'est-ce que vous avez vraiment osé en fait entreprendre et qui a fait vraiment avancer votre carrière en tant que femme notamment, et aussi quel serait le conseil que vous donneriez à une femme, une jeune femme ou une jeune fille ou une femme qui souhaite rejoindre le domaine de la data science aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, c'est deux questions qui peuvent un peu se rejoindre. Et pour commencer, je vais donner la parole à Emeline. Oui, alors pour la première question sur un peu le choix audacieux que j'ai pu faire dans ma carrière, ça a été de changer de secteur parce que du coup au début j'ai récemment quitté Sephora qui est une entreprise de la grande distribution pour Janssen qui est une industrie pharmaceutique et donc en fait je partais un peu d'une entreprise qui était très experte dans l'utilisation des données dans le domaine de la data science du digital. Pour une entreprise qui était en pleine transformation digitale. Donc, le challenge pour moi, c'était de repartir des bases et d'accompagner Janssen dans sa transformation. Et j'avoue qu'au final, je regrette rien. Ça a été très enrichissant. Je me suis sentie vraiment très utile d'apporter une vraie valeur ajoutée avec mon expérience data. Voilà. Et du coup, ce que je recommande... justement pour aux étudiantes pour commencer leur carrière, c'est pourquoi pas commencer dans une SS2I donc qui propose des missions assez courtes dans différents secteurs. Donc ça peut être la grande distribution, l'électricité, les télécoms ou pourquoi pas l'industrie pharmaceutique. Ça vous permet de toucher à différents outils, de voir différents domaines, de rencontrer des gens qui ont des manières de travailler qui sont assez différentes. Et vous pouvez vous créer assez rapidement de bonnes relations professionnelles. Donc, c'est mon conseil. Et je terminerai juste aussi pour dire qu'il ne faut pas hésiter à s'affirmer, à partager ses idées, ses points de vue. Voilà. Merci beaucoup, Emeline. Juste avant d'écouter les autres réponses, je vais afficher une question qui, finalement, je pense que vous allez pouvoir répondre à cette question dans vos réponses, justement. Donc, il y a une question de la part de Patricia et qui demande, conseillez-vous plutôt des masters spécialisés et cadrés pour une reconversion ou les formations en ligne sont-elles assez qualitatives aussi? Si oui, lesquelles en physique et en ligne? Enfin, voilà, un peu sur comment, quel est le parcours finalement idéal pour se reconvertir dans le domaine de la data science. Et donc, du coup, je vais donner la parole à Jessica pour la suite. Moi, je ne peux pas trop répondre à cette question, on va dire, parce que je suis encore en cours de carrière, moi aussi, en cours de formation. Mais, par exemple, pour dire qu'est-ce que j'ai osé, moi, je pourrais dire qu'en fait, ce que j'ai dû oser, c'est d'échanger des pays. Ça n'a pas été un poids ni un choix difficile parce que j'ai toujours adoré voyager, me déplacer, connaître des nouvelles langues et cultures. Mais en étant réaliste, je sais qu'en Italie, je n'aurais pas eu les mêmes opportunités qu'ici. Donc en fait, oui, ça a été, on va dire, un challenge, une chose que j'ai dû oser. Et mon conseil, c'est de ne pas se faire bloquer par ça, par exemple. Parce que déjà, d'échanger des pays, c'est une opportunité, pas que pour la carrière, en fait, pour plein d'autres aspects.
et aussi de ne pas avoir peur de ne pas réussir. Parce que c'est un truc que moi, personnellement, j'ai souvent eu, même quand j'ai commencé mon parcours d'ingénieur, je me disais, mais arrête, peut-être, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez concentrée. Ou... En fait, il faut juste essayer et après, on se règle peu à peu dans les parcours. Et les points faibles, bien sûr, tout le monde en a, mais on arrive à y travailler. Du coup, mon conseil, c'est si vous pensez que vous voulez faire une chose, faites-la sans vous poser trop d'autres questions. Voilà, ne pas trop se mettre de barrières, en fait. Se lancer, et je pense qu'effectivement, sur ce type de métier, on apprend aussi en marchant. Et c'est en plus un domaine qui est très, très changeant et qui évolue tous les jours. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir un profil, on va dire, parfaitement cadré pour se lancer dans ce domaine-là, effectivement. Merci, Jessica. Pour la suite, je vais donner la parole à Yosser. Alors, qu'est-ce que j'ai osé entreprendre qui a changé ma carrière? Disons un peu trois choses. Alors, la première, c'est que j'ai changé de job, un peu comme Emeline. Alors, j'ai quand même changé de secteur, mais quand j'ai senti que j'ai atteint mes limites dans un premier job, j'ai arrêté directement et j'ai changé. Après, j'ai osé sortir de la tech. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai créé une marque de maroquinerie, un truc qui n'a rien à voir avec mes compétences. Moi, je suis ingénieure, j'ai fait des maths et de la programmation pendant très longtemps. Et après, je me suis lancée dans un truc que je connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et après, j'ai osé revenir dans la tech. Parce que maintenant, je travaille comme start-up après 2 ans où j'ai pas fait du tout ni de la data, ni rien du tout. Et c'est un peu pour moi les trois steps où j'ai senti que ça m'a appris beaucoup de choses et ça a été quand même déterminant dans ma carrière. Merci Yosser, effectivement c'est intéressant et du coup ça t'a permis de confirmer ton appétence pour la tech. Oui, clairement, exactement. D'y revenir. Exactement. Et pour finir Magali. Oui, donc pour répondre à la question de qu'est-ce que moi j'ai osé, moi je... Quand j'ai eu environ 30 ans, je suis partie aux États-Unis pour faire un MBA. J'ai quitté un chouette poste chez Total d'ailleurs, qui était vraiment, vraiment sympa, avec plein de possibilités de faire autre chose après, pour partir faire ce MBA. Donc, c'était un gros investissement de temps, c'était un gros investissement financier, mais sans aucun regret. Donc ça m'a permis à moi de faire un tournant dans ma carrière, de travailler un peu aux États-Unis dans une entreprise qui était beaucoup plus tech, enfin, qui était déjà... une entreprise tech, quoi, dans la Silicon Valley. Et donc, moi, ça a changé le cours de ma carrière et pour un bien, puisque maintenant, je suis plutôt dans le domaine de la data science, qui est vraiment passionnant. Mon conseil à tout le monde, c'est de ne pas hésiter. En fait, je rejoins tout le monde, enfin, les autres participantes, qui disent qu'il ne faut pas se mettre à soi-même des barrières, quoi. Il ne faut pas trop, parfois, pas trop réfléchir, un petit peu quand même, mais pas trop, quoi. Et si on a une opportunité, peut-être la prendre, quoi. Et alors, pour répondre à la question de la personne qui demandait comment se reconvertir, moi, mon conseil, ce serait... On peut faire des programmes en ligne quand, à mon avis, on ne veut pas changer d'entreprise, quoi. Si on est déjà sur un poste dans une entreprise qui nous plaît, se former en ligne pour changer, pour travailler sur des nouveaux projets... Ça fonctionne. Après, je pense que si on veut changer d'entreprise, c'est plus facile d'avoir peut-être quelque chose de plus concret comme un diplôme ou une expérience qu'on peut valoriser dans un nouveau poste là où personne ne nous connaît, quoi. Voilà. Effectivement, merci beaucoup Magali pour ce conseil. Et pour donc déjà, j'encourage tout le monde à répondre aux sondages qui ont été postés. Donc, n'hésitez pas à répondre dans l'onglet « Sondage ». Et pour le mot de la fin, je vois qu'il y a une question qui est vraiment intéressante. Alors, je laisserai celles qui ont envie de répondre, répondre. Je vais l'afficher. Donc, c'est une question de Caroline qui demande quel serait notre monde de la data si seules les femmes en étaient en charge. La question pousse volontairement le curseur pour savoir quelle sensibilité les femmes apporteraient. Est-ce que l'une d'entre vous a envie, en mot de la fin, de répondre à cette question ? Qu'est-ce que, en fait, les femmes pourraient apporter finalement de plus dans les différents domaines ou peut-être que pour vous, il n'y en a pas, justement, que c'est peut-être
stéréotype ou un cliché de penser que les femmes apportent quelque chose de plus que les hommes. Alors, moi, honnêtement, pardon. Non, vas-y. Moi, honnêtement, comme je pense que les compétences n'ont rien à voir avec le genre, je me dis que si on faisait l'expérience d'un niveau statistique, ça serait la même chose. Mais ouais. C'est mon avis. Je ne pense pas que notre genre, on génère des comportements spécifiques ou des compétences supplémentaires ou inférieures. Ok, donc pour toi, c'est le problème finalement, il est plus en termes de représentativité, mais plus sur les données que sur les... Ou peut-être le fait que quand on est une femme aujourd'hui, on a moins d'encouragement ou de motivation pour aller dans ces domaines-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôle modèle femme qui l'ont fait. Mais si on est dedans, je pense qu'entre un homme et une femme, enfin, je ne pense pas que ça change en tout cas les résultats de travail ou la manière de travailler ou les compétences. Je suis curieuse d'avoir d'autres avis. Non, moi je voulais juste, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Je pense qu'on a, homme ou femme, on a les mêmes compétences et c'est après une notion de caractère, même si des fois je pense que côté relationnel, en réunion ou pour apaiser certains points, des fois ça peut être pratique aussi d'être une femme et ça peut être un avantage pour nous. Moi je voulais ajouter à ça qu'il faut, pour le moment il n'y a pas assez de femmes dans le domaine, mais il ne faudrait pas qu'il y ait que des femmes parce que l'important c'est à mon avis qu'il y ait un peu de tout, en fait la diversité, que les gens qui travaillent dans la data science représentent les gens dans la société pour avoir différents points de vue, différentes manières de réfléchir, quoi, et d'amener ces modes de pensée dans le travail. Donc, il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême. On n'a plus que les femmes. On perdrait les hommes, quoi. Ça serait dommage. Bah, merci à toutes pour vos réponses. Je pense que ça sera un beau mot de la fin. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter plus d'équité et d'égalité dans le monde par la data science, mais pas forcément d'aller, comme tu disais, Magali, dans l'autre extrême. En tout cas, merci beaucoup à toutes d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que ça aura inspiré beaucoup de femmes ou d'hommes pour rejoindre le domaine de la data science. Petite parenthèse, j'ai beaucoup cité Total dans mes, tout au long de la table ronde. Je rappelle juste que Total est devenu Total Énergie, donc voilà, je me corrige. On a changé de nom et de logo. Et d'ailleurs, je vous laisse découvrir le logo et le nom dans le jingle de fin. Donc, merci encore à toutes. Et je pense que vous allez tous vous réveiller demain matin avec le jingle Wits Paris Saclay dans la tête. Merci à toutes et j'espère à bientôt peut-être dans d'autres événements de ce type ou d'autres vidéos ou d'autres tables rondes. Merci beaucoup et donc je vous laisse avec le jingle de fin. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.